Bonjour à vous, amis vierges et ascendants vierges. Bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 14 au 20 mars. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin, ou tout simplement des renseignements concernant ces prestations, eh bien n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut dans la description sous la vidéo pour me contacter. Et maintenant, eh bien, amis vierges et ascendants vierges, place au tirage. Où on nous parle dans un premier temps, eh bien, de chance. Moi, je ressens que jusqu'à maintenant, la chance n'a pas toujours été de votre côté. Et que là, la chance va enfin tourner en votre faveur. La roue va tourner. Moi, ça parle également que la roue tourne, ça y est, enfin, pour vous. Parce que regardez, on nous parle en plus d'âme sœur. Sachant que la carte de l'âme sœur, je n'avais pas encore vu. Hein. Et le côté où la roue va enfin tourner, eh bien, j'ai ressenti juste avec la carte de la chance. Mais vous voyez, enfin, l'âme sœur. Enfin, la rencontre, les retrouvailles avec votre âme sœur. Enfin, la concrétisation avec votre âme sœur. Alors, là, voilà, le temps de ramasser les deux cartes qui sont tombées et que je vais les prendre, hein, où on nous parle de femmes rivales. On nous parle également de rencontres. Ça pourrait me parler de jalousie. Alors, je ne sais plus s'il y a la carte de la jalousie dans ce tarot, mais enfin dans cet oracle, mais moi, ça fait penser à de la jalousie. Le fait une personne qui pourrait vous voir ensemble, eh bien, pourrait mal le prendre et que. Ça peut concerner une personne de votre entourage ou de l'entourage de l'autre personne, et que, il y aura de l'incompréhension vis-à-vis de cette jalousie. Et voilà, maintenant, continuons. On va attendre de remettre les cartes. Voilà, alors, un endroit pour le mélange. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. N'hésitez pas également à aller voir votre. Le signe est éventuellement l'ascendant de l'autre personne. Alors, là, encore une fois, c'est deux cartes qui sont tombées, décidément. Les cartes préfèrent tomber à terre que sur le tapis. Où on nous parle de rivalité, de triangle amoureux. En même temps, quand on nous parle de femme rivale, ça veut dire qu'il y a une tierce personne eh bien, dans les parages. Comme si, que moi, ce que je ressens, c'est elle est encore là, elle. Alors peut-être que ça vous parle, parce que le fait que peut-être que vous allez apercevoir cette personne, ou vous allez en entendre parler via votre copain, eh bien, bon après, inversez les énergies, hein, parce que si vous êtes un homme, mais quand il va dire, ah, vous voyez, mettons en venant chez vous, tu sais pas qui c'est, tu ne devineras jamais qui c'est que j'ai croisé, telle personne. Après, c'est pas forcément une ex, mais ça peut être une qui avait envie, qui lui tournait autour, qui avait envie de d'être en couple avec cet homme, et que elle est encore là, elle. Parce que peut-être que vous pensiez qu'elle avait déménagé, qu'elle avait refait sa vie, etc. Mais le côté, elle est encore là, elle, c'est que, d'un sens, de façon un peu plus éloignée, eh bien, elle continue malgré tout à lui tourner autour, mais de façon plus distante. Mais elle est toujours dans les parages. Et pour finir, on parle de blessure. Forcément, vous, ça ne va pas vous plaire que l'autre personne soit encore dans les parages parce que elle pourrait tout faire capoter. Hein. Et que le mieux. Mais justement, avant d'avoir vu la carte de la blessure, moi ce que je ressens, c'est que le mieux pour vous, ce sera un déménagement. Parce que non seulement la personne ne saura pas où vous habitez, ou éventuellement si elle sait où vous habiterez, voilà, de bouche à oreille, eh bien, en tout cas, vous habiterez trop loin pour qu'elle puisse venir, voilà, pas vous voir, mais pour pouvoir. Voilà, juste faire ce qu'elle fait actuellement, le fait d'observer votre copain
par exemple, dans la rue, ou en tout cas, les petits trucs qu'elle fait actuellement, eh bien, elle ferait pas, par exemple, 4 heures de route pour, juste pour ça. Mais en tout cas, eh bien, le principal, c'est qu'il y aura une concrétisation, possiblement, ou durant cette semaine avec votre AMSA, ou en tout cas de l'avancement. Et que, de toute façon, là, ça y est, les choses ont enfin évolué. Voilà pour vous, amis vierges, ascendant vierge, merci pour votre présence. Passez une bonne journée, de bonne soirée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Et je vous dis à bientôt.